Démi, éloigné, les termes sont variés sur le net depuis hier pour raconter la fin d'une période du moteur de recherche Quant. Dès la semaine prochaine, Éric Léandre, originaire du Valinc, perd la présidence de l'entreprise qu'il a cofondée au profit d'un conseil de surveillance contrôlé par les actionnaires. Pour lui, ce ne serait pas une sanction. Si j'étais viré, il y aurait une faute. Je serais au board, je serais président du conseil stratégique et technologique et je serais le deuxième plus gros actionnaire de Quant, à votre avis. C'est mon style, ma façon d'être, et ma façon d'être et mon style, c'est très bien quand vous devez aller à la guerre. Là, vous n'avez plus besoin de faire la guerre, maintenant il faut de l'exécution. Ce changement de gouvernance est annoncé en même temps qu'une nouvelle capitalisation des autres actionnaires. Aucun remous pour l'heure dans la petite filiale ajaxienne. Inaugurée en 2017, Quant Music pariait alors sur 30 emplois et décrochait une enveloppe de plus de 2 millions d'euros de fonds européens via l'ADEC. Seuls 25% de cette subvention a été versée à ce jour, affirme l'agence. C'est signe que le développement reste largement en dessous des prévisions. Dans l'open space du boulevard Charles Bonaparte, cela non plus n'inquiète pas les seulement 16 salariés. J'ai jamais eu de problème. Je pense que tout le monde est content de travailler ensemble. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup dans ma vie professionnelle, c'est l'ambiance de travail. Ici, ça a toujours été une bonne ambiance, donc pas de souci. Par d'autres témoignages, on apprend qu'il y a eu ici 5 démissions de développeurs en 2018, puis en mai 2019, celle du directeur du site en cours de procédure prud'homale. D'anciens salariés qui mettent en cause autant la stratégie de la maison mère que les méthodes de management. N'empêche, après le départ d'Éric Léandre et de la direction, son entreprise vient d'être promue par l'État. Quant deviendra dès le mois d'avril le moteur de recherche par défaut de toutes les administrations publiques.